Et c'est parti. Et il va falloir que Benjamin Rivière... Ben oui, voilà, regarde ce qu'il fait, Christophe. Il est en train de nous faire une pucier, là. À l'extérieur. Eh oui, il nous fait une pucier, j'ai l'impression qu'il a doublé tout le monde. À l'extérieur, il a peut-être doublé tout le monde, incroyable. Oh là là, le départ, eh ben oui, il est devant. Il est devant. Olivier Pernaud est en bagarre avec Benjamin Rivière et Louis Gervaison qui remontait la quatrième place. Mais le départ à l'extérieur. Christophe Ferrier à l'extérieur était extraordinaire. Et ça fait deux fois que la deuxième ligne part mieux que la première, c'est incroyable. Ah, c'est fou, ben oui, la place se libère et puis il prend tout. Et tu sais, l'extérieur de piste, on le disait tout à l'heure, comme elle est très large. Il vient, mais si, il est devant. Ouais, mais il nous manque un peu du monde. Alors, il est devant, on va vérifier. Attends, il est là. Ça double avec. Benjamin Rivière contre Olivier. Les deux copains, ils ne sont pas de cadeaux là. Louis Gervaison. Mais derrière, on a perdu du monde. Il y a un gros break. Daziano, oui. Regardez la passade de Rivière, c'est passé. Oh là là, pas de cadeaux entre les deux copains là. Et Benjamin Rivière a soufflé la politesse à Olivier Pernaud. Ah, il nous manquait. Et puis la Gorse. Oh, il y a eu de. Et une rififi entre les deux là. Ouais. Oh, la bagarre terrible d'Asiano avec Gervaison. Gervaison qui est là au milieu aussi. Gervaison qui a bien résisté. Ah oui, puis il a la pression parce que la voiture elle marche. Margot l'a prouvé. Ouais. Et par contre, il va faire attention maintenant parce que Christophe Ferrier est poursuivi par Benjamin Rivière. Attention, parce que Benjamin Rivière, dans la peau du chasseur, c'est quelqu'un. Ferrier, terrible départ de Christophe Ferrier. Oh oui, voilà, extraordinaire. On l'a bien motivé au départ, c'est bien. Allez, bon départ, record du tour pour l'instant pour Christophe Ferrier. Oh, le départ, j'en reviens pas. Et ouais, regarde, il s'en va très large, mais ça marche. Hein, trajectoire incroyable. De Christophe, là, qui est parti complètement à l'extérieur. Benjamin Rivière, attention, il a le record du tour. Eh oui, il a repris le record du tour. Benjamin Rivière, c'était Ferrier qui l'avait. Là, il se rapproche de Ferrier. Gervaison se rapproche de Pernaud. Ouais, ça peut nous valoir une... Il y a un problème pour Francky. La voiture qui danse dans tous les sens. Il y a un problème pour Francky. Une crevaison, peut-être. Est-ce qu'il y a eu un contact avec Daziano? Parce qu'on les a perdus complètement. Peut-être un problème. Ouh, attention, ça croise derrière. Ça croise entre Louis Gervaison et Olivier Pernaud. Et Gervaison qui récupère la troisième place de cette finale. Et Rivière qui revient sur Ferrier. Ah, je l'avais dit, il faut faire attention. Rivière, il a l'occasion d'aller chercher des points, mais Christophe Ferrier aussi. Ah oui, parce qu'il y avait une seconde 3 tout à l'heure entre les deux pilotes. Il n'y a plus maintenant. Il est là, il nous en manque un. Oui, le classement n'est pas bon, c'est pas grave. Mais regardez l'écart c'est réduit. Il y a deux trajectoires complètement différentes. Hein. On a vu Ferrier complètement à l'extérieur dans la grande parabolique. Benjamin Rivière restait un peu plus à l'intérieur pour mieux ressortir. Et finalement, la grande. Ah, il est proche là. Hein. Il est proche là. Ce qu'on voit depuis le début de cette soirée quand même, c'est que la pole position aujourd'hui est mise à mal. Ça sert à rien. Ah oui, elle est mise à mal dans toutes les disciplines. Non mais oh, il va y aller, il va passer. Ça a failli. Mais attention, parce que Ferrier, c'est pas le premier à se laisser faire. Il va pas se laisser faire, Ferrier-Nen. Mais derrière, quand même, Benjamin aura fait une super attaque là, même s'il repère un petit peu de terrain. Ouais, regarde la trajectoire, il va chercher très très loin là-bas. Alors, pour l'instant, Christophe Ferrier, Benjamin Rivière, Louis Gervaison et Olivier Pernaud. Je crois que c'est ça le classement, on n'a pas vraiment c'est pas grave. Attention, petite touchette de Christophe, mais ça n'a pas gêné beaucoup. Benjamin Rivière est toujours très, très, très proche. Ah, il est collé. Hein. Ouais, voilà. Et la Gorse à l'arrêt. La Gorse, il a un problème. Il laisse passer les petits camarades. Première journée catastrophique pour Franck Lagorce. Là, vraiment à oublier. Benjamin Rivière qui freine le plus tard possible. Mais là, un peu de pression. Ça sera le dernier tour. C'est maintenant ou jamais. On va rentrer dans le dernier tour au prochain passage sur la ligne de chronométrage. Peut-être à la sortie de la parabolique. On a vu deux trajectoires complètement différentes entre les deux. Allez, on est dans le dernier tour maintenant. Christophe Ferrier qui va plutôt chercher au début l'intérieur pour être vraiment extérieur après. C'est bien. Il sort vite aussi. Il sort très vite. Il motrise très bien. Ah, puis regarde sur la fin où ça se resserre. Il est à 1 mm du point de corde. Ouais, puis Benjamin va pas tenter n'importe quoi non plus. Aucun intérêt pour Benjamin. Il y a des gros points. On en est qu'au début de la saison, la première course. Faut pas faire n'importe quoi. En attendant, on aurait du spectacle dans cette finale de la catégorie. Très belle finale. Très belle finale. Oh, le départ, j'en reviens pas encore une fois. Le départ tout à l'heure de Sylvain Pucier. Et maintenant. La deuxième ligne. Faut être en deuxième ligne. Excellent. Pour gagner des courses. Faut être troisième finalement de la manche. Attention, il va essayer de sortir, mettre un peu de pression, mais c'est trop tard. C'est trop compliqué. Superbe victoire de Christophe Ferrier. Et voilà, c'est fait. Christophe Ferrier qui s'impose. Benjamin Rivière, deuxième avec le record du tour.
troisième, c'est Gervaison, me semble-t-il. Alors ça, on rappelle, hein, c'est donc ce qu'on appelle la petite finesse, c'est-à-dire des pilotes qui sont classés à partir du 9e rang de la journée. Donc, c'est-à-dire que très certainement, Christophe Ferrier va terminer 9e de la journée et quand même prendre un petit peu de points. Benjamin Rivière, record du tour. Voilà, Benjamin Rivière, record du tour, c'est ce qu'on avait dit. Donc, bonne opération pour lui, puisque c'est la deuxième place de la finale, plus le point du record du tour. Et vous voyez, voilà, la voiture de France. Bah, regarde la roue arrière. Arrière gauche, hein. Les impressions. Ouais. Arrière gauche, problème. Il y a un petit souci sur la voiture de Franck Lagorce, qui n'aura pas pu défendre ses chances dans cette finale. Tout s'est passé au départ. La superbe envolée de cette voiture et de son pilote.